Parashat Vaetranan. La Gemara dans Ktuvot, Kuf Yud Alef, elle annonce quelque chose d'un petit peu étonnant et difficile à entendre. Elle cite Rabbi Elazar qui dit, en s'appuyant sur des versets, que seules les personnes qui ont étudié la Torah auront le mérite de vivre Olam Haba, dans le Olam Haba. Alors Resh Lakish, quand il a entendu ça, justement, il a dit, il a eu de la peine, il a dit quoi, que eux? Pourtant, il y a marqué des psukim que oui, on apprend que l'Israël est l'Israël et là-bas, que tout un chacun il a une part dans le monde futur. Alors, comment répondre? La Gemara elle-même, elle répond, Rachel Kish, que si quelqu'un, même s'il est loin de la Torah, il s'attache à des Talmidei Chachamim, littéralement, il est Mehané Talmidei Chachamim, il fait profiter d'un Talmid Chacham en lui donnant de l'argent, par exemple, et grâce à cet argent-là, le Talmid Chacham, il étudie. Alors, celui qui a donné, lui aussi, il aura le mérite de vivre Olam Haba. Et la Gemara s'appuie sur le passage de notre paracha qui dit Ve'atem advekim bashem, chaim kulechem ayom. Et vous, collez-vous littéralement à Hachem pour avoir la vie. La Gemara dit quoi? Comment on peut se coller à Hachem? C'est impossible. C'est marqué Esh Ochela. Hachem, il est brûlant. Si on se colle à lui, on se fait brûler. Alors, la Gemara dit non. Quand on s'attache à des gens qui étudient la Torah brûlante, à des Talmidei Chachamim, c'est ça que le passage qui veut dire, en allusion, Ve'atem Advekim Bashem Kavana. Attachez-vous aux gens qui étudient la Torah d'Hachem. Chaim Kulechem Ayom. Alors vous, quand vous vous attachez comme ça, Chaim, vous allez avoir la vie, la vraie vie, on sait que c'est Olam Haba en fait. Kulechem, tout le monde, depuis maintenant. Donc de là, on voit que même quelqu'un qui est loin de la Torah, s'il s'attache à des Talmidei Chachamim, il fait par exemple un contrat à Yitzhak Zevulun, alors il a le sroutz aussi de vivre Olam Haba. Et Béhémet, le Chida, il poursuit dans ce sens-là. Il cite un Yalkut. Non, pardon, un Kohelet Rabba, un Midrash, sur Kohelet, sur l'Ecclésiaste, il dit que dans le futur, Hachem, il va faire un Tsel Vechoma, littéralement, de l'ombre et une Chuppa, pardon, et un préau, on va dire, pour les Baalei Mitzvot, pour les gens qui font des Mitzvot, et Tsel Baalei Torah, à côté des gens qui ont étudié la Torah. Alors, il demande la question, le Rida, il dit, mais c'est embêtant, parce que si tu mets les uns à côté des autres, les deuxièmes ils vont être embêtés, ceux qui sont loin de la Torah, qui n'ont jamais étudié leur vie, ils vont être embêtés parce qu'ils vont dire on comprend rien à ce qu'il raconte, hein, parce que Hachem il va faire des cours comme ça de Torah, ça va donc les gêner ces gens-là qui n'ont jamais étudié la Torah. Alors comment c'est possible que le Midrash il dit on va mettre l'un à côté de l'autre? Et le Chida il répond que justement, par le mérite que les Baalei Mitzvot, les gens qui ont fait les Mitzvot, mais qui n'ont pas fait la Torah, ils ont donné à des gens qui ont étudié la Torah. Alors, Hachem, Oz le Amo Iten, c'est un autre passage encore. Hachem, il a donné, Oz c'est la Torah, la force. Il donnait la force, le Amo, à son peuple, Kavana, les gens qui sont loin de la Torah. Alors, Hachem, il va rechet Amo Vashalom. Grâce à ça, il va faire une bénédiction à son peuple. Dans le Shalom Kavana, voilà, dans le futur, les uns, ils seront à côté des autres, et même ceux qui n'ont pas étudié la Torah dans leur Mava, ou alors un petit peu, alors ils auront le sroute de siéger, d'être à côté des gens qui ont étudié, et ils vont comprendre, non seulement ils vont vivre, et ça c'est un grand pas, mais en plus ils vont comprendre ce qu'ils vont dire, ils n'auront pas honte. Il y aura le Shalom. Et je termine en disant que il y a encore un autre passouk dans lequel on voit une allusion à ça. Pézer Nathan les Evionim, c'est un passage dans Tehilim. Littéralement, c'est étale, éparpille, donne aux pauvres. Titkato Omedet Larad, grâce à ta tzedaka, ça va te rester pour tout temps. Karno Tarum Bechavod, et tu auras une grande place, on va dire comme ça. Racha Yireh Vekaas. Et le racha, l'impie, il va voir et il va être énervé. C'est quoi l'explication? Il dit le Chida. C'est que Pazar Nathan Nevion, celui qui a donné la tzedaka pour les gens qui ont étudié la Torah. Alors, Tzidkato Medetarad, sa tzedaka, elle va rester pour lui tout le temps, même les Hatid Lavo dans le monde futur. Karno Tarum Bichavod,
sa place, elle va être respectable là-bas. Atkedekar, à tel point que Racha, ici, c'est dans le sens le Satan. L'impie, c'est ici, c'est le Satan, l'ange maléfique. Il va voir ça. Vekas, il va s'énerver. Pourquoi il va s'énerver? Il dit, mais comment ces gens-là, ils n'ont pas étudié la Torah, ou alors ils ont un petit lien seulement avec la Torah, ben, on a masé. Comment ça se fait que ils vont avoir une super place? Karno, Taron, Bechavod, ils vont avoir une super place voilà, en bas. Ils n'ont pas la place ici. Eh bien, le Chida, il répond que oui, ils auront leur place grâce au fait qu'ils ont aidé les gens, par exemple, avec Israël.